Japon et yon don que yon fait République d'Haïti dans l'occasion et urgence qui vini après passage cyclone ouragan Mathieu sous Haïti. Et comme nous connaissons déjà et JICA qui c'est agence de coopération internationale japonaise li gen longtemps non partenariat avec République d'Haïti côté de temps en temps yo intervenu bon côté gouvernement pour aider. Nous gen avec nous jodia et monsieur Kadoya qui c'est l'ambassadeur, c'est responsable agence qui lui-même basé en République dominicaine, c'est lui qui couvre République d'Haïti. Il y a ambassadeur Atta qui c'est ambassadeur du Japon en Haïti et c'est lui-même qui vient remettre le gouvernement haïtien et dont ça on peut dire gagner la dernière et environ 1000 couvertures pour dit couverture de laine pour mon couvrir quoi yo les coucher gagner et de bâches que porter pour nous tout et gagner de couches pareil pour nous mettre à terre pour coucher pour dormir environ 1020 comme ça gagner de tanks en polyester 600 gagner de petits outils pour purifier de l'eau de petits instruments pour purifier de l'eau et purificateur d'eau yo côté 30 et puis yo côté de gros conteneurs pour mettre de l'eau particulièrement dans abri provisoire yo c'est là yo besoin ça yo ça n'est les bladders yo pour mettre de l'eau purifiée yo côté 10 là d'ailleurs pour nous. Donc, mais en plus de ça, nous connaissons en août dernier, le Japon a fait don à Haïti d'environ 8500 tonnes de riz. Et là-dedans, nous avons un accord qui gagne entre BMPAD et JICA. Il y a pris là-dedans 900 tonnes. Généralement, du riz à l'aérobali, c'est pour le gouvernement vendre du riz à pour être capable de stabiliser le prix produit de consommation pour ne pas monter au ciel. Donc, don du riz, ça, c'est pas pour faire cadeau d'abord, mais c'est pour vendre, pour stabiliser le prix. Le prix monte, le gouvernement met un stock du riz au marché à un prix qui est plus bas pour le casser le prix. Et dans l'accord qui joue BMPAD et JICA, le gouvernement a pris là-dedans 900 tonnes. C'était 8500 tonnes. Il a pris 900 tonnes pour le distribuer gratuitement dans la zone qui est affectée. Suite à la demande officielle du gouvernement haïtien pour l'aide d'urgence, le gouvernement du Japon a décidé de fournir des liens de secours d'urgence par le biais de la JICA, l'Agence de développement international du Japon. L'acheminement dans le meilleur délai vers Haïti de ces matériels d'urgence qui se trouvent devant à côté de nous a été effectué à la diligence de l'agence en provenance de son entrepôt à Miami pour servir le plus rapidement possible. Le Japon, un pays d'île comme le vôtre, partage les mêmes défis qu'Haïti, donc comme une famille voisine, nous comprenons très bien la gravité de la situation et la profondeur de la tristesse occasionnée. Le Japon souhaite à Haïti de surmonter ce moment de défi majeur et avec la solidarité nationale et internationale, rétablir ensemble votre beau pays. Le peuple japonais croit en la devise haïtienne disant que l'union fait la force. Courage et allons de l'avant.